Salut tout le monde, c'est Monsieur Killer. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo setup où je vais vous présenter tout mon matériel parce que j'ai eu du nouveau matériel. Pas des petits trucs, donc je vais enlever les trucs qui serviront pas et que vous avez déjà vu. Donc, je vais poser, non je vais pas la poser, je vais faire une ellipse. Ou même pas, attendez, c'est le début de la vidéo, je vous fais des ellipses. Et donc, on va pas faire d'ellipse parce que ça gueule, bien sûr. Voilà, vidéo setup qui se bat en couille. Donc les nouveaux trucs. On va commencer par cette oreillette maxi que je me plains pas du tout parce que la qualité de mes potes me disent qu'elle est très bonne. Et le prix est vraiment très bas. Et je vais à 18€. Donc je vais vous montrer la boîte tout de suite. Ça, voilà. Alors, oreillette Bluetooth PS3. Vous pouvez voir, attendez. Je sais pas si on peut faire un focus. Enfin, attendez. Voilà. Bah attendez, je vais faire peut-être. Ça va passer. Batterie rechargeable. Bon, je vais vous le dire au pire. Crochet. Auriculaire. Flexible. Et commande ergonomique. LED de contrôle. Haut-parleur externe. Et des fonctions silence. Voilà. Donc, je suis désolée parce que je suis un peu enrhumée. Donc, au pire. Je dis beaucoup le wireless, mais là, j'ai vraiment la carte. Donc, à tout de suite. Au revoir tout le monde. Alors, oui, donc. L'oreillette, donc je parlais de l'oreillette. Donc c'est une maxi, donc pour les joueurs aguerris exigeants. C'était une édition limitée pour les champions. Pour PS3, la parfaite combinaison de style, de confort et d'efficacité. Ça c'est très vrai parce que pour 18€, je peux vous dire qu'une comme ça, si vous voulez vraiment la référence, je crois est-ce qu'elle a écrit la référence. Attendez, c'est peut-être en dessous. Bah attendez. Ouais, pour référence produit, mais il n'y a pas le nom. Alors, vous pouvez voir Maxi, donc c'est le créateur. Ça s'appelait Maxi, enfin voilà, j'ai lu vraiment à l'arrache. Donc, vous pouvez voir comment c'est. L'autonomie, alors là, rien à dire. Vous la branchez 30 secondes, vous jouez 5 minutes. Rien à dire, là. Sur ce point-là, j'ai rien à dire. Elle est très petite, si jamais dans ma main. Vous pouvez voir la taille que ça fait. Voilà. Bon, ça fait la taille d'une main, on va dire, en longueur. Mais elle est très pratique. Donc, c'est ce que je n'ai pas enlevé les bracelets dans une vidéo. Prenez le matin, hein, vous pouvez le voir. J'ai ajouté un champagne maintenant. Voilà. Voilà, nouveau matériel. Bon, j'ai pas eu grand chose. J'ai juste pris des boîtes de chaussures pour mettre des jeux. Ah oui, parce que j'ai eu des nouveaux jeux. Je vais faire plein de vidéos sur les nouveaux jeux. C'est pas ça. Attendez, je vais poser la caméra. Vous allez rien voir. Voilà, ici c'est parfait. Donc UFC 2009 Disputed, vous l'avez déjà vu, hein, celui-là je pense que vous avez fait des petites vidéos dessus il y a très longtemps, c'était sur la PS3 de mon grand frère. J'étais à 5, on va pas se mentir, j'ai fait plein de vidéos dessus. Mais ce jeu, oh là là, BF3, je vous l'ai pas montré, il est excellent. Mais quand je dis excellent, je pensais pas qu'il était excellent ce point. Le à 20€, bah, je le regrette pas. PES 2010, c'était un bon jeu aussi. Je joue plus trop souvent, mais j'y joue encore. Je vous le dis tout de suite. C'était mon grand frère, il me le prête. Hein. C'est vrai, il est à 5€, je sais plus. Ah, si, je crois que c'est 5€, ouais. Voilà. BO2. Bon, alors là, je joue plus du tout. Franchement, le BO2, bon, alors là, la série des Call of, c'est fini pour moi. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Call of Duty PS3. Franchement, très vieux jeu, et bien encore. Parce que le boss survie, c'est ce qui nous a fait commencer la chaîne. Et voilà, donc après, si vous n'avez pas besoin. Je vais essayer. Oh, il est vieux, c'était à mon grand frère, c'était à sa vieille tour, tout le monde. Oh, je suis sûr. Cette tour, elle a 20 ans, il l'a encore. Dans le temps, c'était un PC gamer, maintenant c'est le PC le plus rapide que je connaisse. Attendez, ici, est-ce qu'il y a des trucs? Ah, bien sûr qu'il y a des trucs. Oh là là. Je crois que ça dégage. Ça, c'est des livres de cours, donc il y a des et tout. Ça vous battez les couilles totalement. Un chargeur. C'est une direction de choix, attendez. On va dire ça. Ouais, c'est des Sony Ericsson.
Waouh, je sais pas vraiment. Attendez, on peut aller au bout. C'est un mini USB. Ouais, pas mal. Ah, une souris. Oh, bon, bah celle-là, je crois qu'elle était morte en plus. Parce que Paul me l'avait cassée en jouant à Minecraft. Mais alors, c'est ma souris préférée. C'est une petite souris, elle fait taille de ma main aussi. Hein. Voilà. On pourrait avoir avec une main de d'enfant, tout ça. Hop, donc je remets ça dedans. Y'a rien qu'à changer sauf le bureau, je le change de temps en temps. C'est chiant ça. C'est chiant. Voilà, après, les oasis, c'est tous les bracelets de Madame Killaz. Oh là là. Hop, je vais pas les envoler, je vais pas les ouvrir. Voilà. Donc, après, c'est mon sac de sport. Mon sac de cours et tout, vous n'avez rien à branler, je pense. Enfin, rien à faire. Désolé, hein. Je me suis emballé trop vite, là, par contre. Excusez-moi. Voilà, et après, bon, c'est toujours la même télé, hein. Pas trop M228 WDP, comme d'habitude, TV Monitor. Ah, mais je vous ai jamais montré les connectiques qu'il y avait derrière. Et ça, c'est. Si vous voulez acheter cette télé-là, c'est les connectiques qui sont pas mal. Alors, attendez, il faut que j'arrive à la bouger parce que. Vous pouvez voir, ça décrampe là. Ce qu'il y a. Ah, y a pas beaucoup de lumière en fait. Va falloir que je tourne dans l'autre sens. Bien. Je vous la cache de ma PS3. Oh le con! Oh le con! Oh le con! Oh putain, je vais rayer ma PS3. Je la défonce. Ah oui, là on voit bien mieux. Alors, les ports. Exactement. Les ports, les ports. Alors, ici il y a un port USB mais qui ne marche pas. On dirait un port USB mais en fait il ne marche pas, il est pas utile. Pour cette télé, elle ne fait pas les petits trucs là, les trois couleurs. Il faut utiliser ce cache, enfin cet embout. Vous mettez ça. Moi j'utilise ça pour la PS3, parce que je vois que ça se raccorde après. J'en avais deux. Sachant que vous avez un HDMI. Ça, j'ai jamais compris trop à quoi ça sert. Audio in. Ouais, je sais pas trop. Bon, ici, ben, c'est une télé, donc on sait que c'est pour les antennes. Ah, pour les écrans d'ordinateur, extérieur, intérieur, enfin pour que ça mette intérieur, et que ça ressorte. Donc c'est très très utile cette télé-là. Moi, perso, regardez, on peut mettre des cartes. On peut éjecter, on appuie sur le bouton. Ouais, c'est un bouton. Écoutez. Ouais, je sais pas trop comment ça marche, en plus, par contre. Je pense qu'il marche. Et voilà, donc les connectiques de cette télé sont pas mal. Bon, après, c'est que ici c'est un peu chiant. Parce que voilà, ben, on peut pas mettre de ça, mais c'est pas grave parce que si vous avez ça, vous vous en foutez. Vous avez, vous le débranchez, attendez. Ok, il est fixé, c'est pas grave. Vous l'enlevez, vous le mettez, allez hop, c'est bon. Vous êtes tranquille. Donc voilà, donc j'ai bien détaillé parce que dans l'ancienne vidéo setup, j'étais avec Polyculture. On avait deux écrans et tout. Ah, voilà. On était un peu mal organisé. Je vous montre vite fait ce côté là, sur cette toi. Sur MDA 64. Voilà, X2, enfin voilà, c'est sa vieille tour. Je peux vous dire que c'est le portable ici de mon côté. Voilà. Je vais pas en rentrer plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter. Allez, salut!